Josep Puigmorens, fa setmanes que es treballa en la instal·lació I ho tenen tot a punt per aquest inici de temporada 2011. Durant el darrer cap de setmana, les nevades I els canons de neu produïda han acumulat importants gruixos de neu que han permès que les retracs preparin les pistes I les deixin en molt bones condicions. Aquesta nova temporada, Porter Puigmorens presenta importants novetats, com per exemple l'ampliació del domini esquiable, amb 10 pistes més. Enguany, els esquiadors podran gaudir d'un total de 40 quilòmetres esquiables. El nou director general de Porter Puigmorens ens explica que una d'aquestes 10 pistes s'ha convertit en la més llarga del Pirineu. Maintenant, depuis donc deux jours, on a eu de grosses chutes de neige, plus de 50 cm en haut des pistes. Ça nous a permis, donc, on a déjà commencé à travailler la neige pour pouvoir en fait présenter les nouveautés tant annoncées sur Porter Puigmorens, à savoir la piste panoramique en haut sur les crêtes. Donc c'est une piste qui fait une piste verte qui s'adresse exclusivement, essentiellement aux débutants qui vont pouvoir faire à peu près 8 km de descente jusqu'au village avec un parcours où on peut voir toutes les vallées, que ce soit les vallées d'Andorre, les vallées d'Ariège et aussi une vue sur le massif du Carlit qui est magnifique. Però a Porter Puigmorens encara hi ha més novetats. Els horaris d'obertura han estat ampliats, de manera que els esquiadors podran disfrutar de les instal·lacions fins a les 9 del vespre. La partie basse, c'est ce qu'on appelle le front de neige en bas de la station, qui est donc les pistes sont éclairées. Il y a donc sur cette piste-là une piste débutant, une piste bleue, et puis il y a un snowpark qui sera éclairé, un petit snowpark assez ludique, mais avec quand même quelques modules techniques. Et on peut soit coupler la nocturne avec l'après-midi, on peut faire après-midi plus nocturne, ou alors la journée complète plus nocturne, ou si on arrive le samedi dans l'après-midi, faire la nocturne et la journée du dimanche. Donc ça, en fait, ça donne toute la liberté pour pouvoir skier quand on veut sur Porter Puigmorens. Segons l'Eric, finalment la neu ha arribat amb el temps suficient per preparar l'estació de cara a les vacances de Nadal. L'hiver, théoriquement, il commence le 21 décembre, donc je crois que la neige, elle est à l'heure. Alors des fois, on est un petit peu exigeant, on voudrait l'avoir plus tôt, mais moi je suis ravi, je suis très content. Ça montre bien aussi qu'on est quand même en montagne, puisqu'on avait du moins 10 ce matin. Bon, on parle de réchauffement climatique, mais croyez-moi, il fait encore très froid à Porter et il y a des grosses chutes de neige. Donc c'est un message plutôt positif et voilà, les anciens disaient aussi qu'il ne fallait pas que la neige tombe trop tôt parce que sinon elle fondait trop tôt. Donc là je pense qu'on va avoir une très très bonne saison.